Salam alaikum, bienvenue à Marrakech, ville touristique, ville de rêve, ville où il fait bon vivre. Découvrons ensemble Marrakech, de jour comme de nuit. Là, on est dans l'ancienne médina de Marrakech, et juste devant la porte d'Agnaou, la fameuse porte qui fait partie des 19 portes qui mènent vers le Médina, qui entourent la Médina de Marrakech. Et Agnaou, dans la langue berbère, ça veut dire les gens avec la peau noire. Les 100 ans, ont l'habitude de ramener les Africains pour travailler chez eux ici. Donc c'était leur porte qui mène vers l'ancien Médina et qui mène vers le Kasba de Moussa Sultan Saadi, et donc la fameuse mosquée et les tombes de Saadi. Donc elle est très connue, cette porte-là. En termes de décoration, elle est très jolie. Ça gardait la forme donc, ancienne, avec les formes, avec les symboles et tout. Alors c'est un passage qui a été creusé dans l'épaisseur de la muraille 1917 par le service des beaux-arts des monuments historiques marocains, parce que avant le protectorat, la visite des tombeaux, c'était trois fois par la mosquée. Mais en 15 jours, ils ont remarqué que quelques soldats français qui rentrent dans les mosquées avec soudier, cigarettes, l'alcool. Parce que pour éviter les querelles, ils ont creusé ce passage dans les puissances de la muraille. Là, c'est une nécropole royale, un mausolée royal qui remonte au début du 16e siècle, 1517. La cinquième dynastie marocaine, Saadien, ce sont des Arabes, Alienbou en Arabie. Saadien, ça vient de la branche Bani Saad, qui avait donné le jour à la nourrice du prophète musulman. C'est une sainte femme nommée Saadia. Ils ont été installés au sud du Maroc, entre la ville de et la ville de Ouarzazate. Après, ils se fixèrent dans une région nommée Tamgrout, autrement dit Tagmaddat. Mais au début du 16e siècle, la présence portugaise sur le littoral atlantique provoqua une réaction islamique, parce que les Saadiens furent désignés comme chefs de guerre saints. Donc, si le début du règne, c'était 1517, ils ont reçu le pouvoir jusqu'à 1659. L'extérieur, on a un jardin cimetière où se reposent les fidèles, les gens les plus proches, la cour. Ce que l'on appelle en bas, en marbre, ça explique un peu le rang, l'importance de la personne. La nécropole est divisée en trois parties. La première partie, c'est la plus importante. C'est là où j'enterrais les rois saadiens. Parmi les rois saadiens, le roi le plus remarquable, Moulay Ahmed al-Mansour, contemporain d'Henri IV. Autour du roi repose les membres de sa famille. Deuxième partie de notre visite, ce sont les enfants des nobles. Troisième partie de notre visite, c'est la mère du roi, le fondateur et puis le harem. Par respect, le fidèle doit rentrer incliné, courbé par la petite porte. Là, c'est sculpté, ce sont des épitaphes en verre. Là, ce sont des petits morceaux rajoutés, c'est l'incrustation. Si on ferme les deux portes, on a la forme la plus primitive, la forme qui évoque le disque solaire. Très chers téléspectateurs, nous sommes dans la ville Ocre, de passage au Maroc. Si vous voulez bien vous loger, bien manger, bien vous divertir, n'hésitez surtout pas, choisissez cette destination, appréciez tout simplement.
Chers amis ivoiriens, bonsoir et bienvenue à Marrakech. C'est en tout cas un plaisir pour nous de vous recevoir au Selman de Marrakech. Je suis Camille Anifi, je suis le directeur de ce... qui a ouvert en 2012, qui a pour particularité d'avoir une collection vivante de pur sang arabe et d'autres chevaux donc au milieu de notre bel établissement. Seulement à 10 minutes de la place Jemaa el Fna, qui est la place reconnue à Marrakech, et seulement 10 minutes de l'aéroport, donc dans un endroit très très calme. Nous possédons 60 chambres, dont 50 chambres entre 70 et 120 mètres carrés, 5 suites de 120 mètres carrés et 5 villas privatives, chacune avec une piscine privée. À côté de cela, nous possédons 3 restaurants, un restaurant marocain, un restaurant méditerranéen, un restaurant français. Et pour votre confort, on vous propose aussi un spa, un espace vitalité. L'une des photos signatures de notre hôtel, c'est cette magnifique piscine longue de 80 mètres de long. Donc il y a un peu l'une des plus belles piscines, je pense, de Marrakech et peut-être d'Afrique, et que je vous invite à venir essayer. Alors, nous terminons cette émission avec un dîner-spectacle à Marrakech. J'espère que vous avez aimé. On se dit à très bientôt pour d'autres découvertes touristiques. Peace Lama.
Très chers téléspectateurs, nous sommes dans la ville Ocre. C'est Laura. Pourquoi tu es fausse? Moi, je dis que c'est pas bon. Moi, je dis que c'est bon, c'est pas grave. C'est pas bon. Salam alaikum. Ah, mais c'était ça qu'on voulait. Vas-y.